ensemble cet après-midi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sans qui a tant aimé le monde. Nous rendons grâce à Dieu pour le 22e anniversaire de la fraternité du Dame Sacré-Cœur de Jésus de la cathédrale Saint-Pierre. Au cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous et donnez-nous un cœur semblable au vôtre. Que Yadine kusala na kwa nisi ya rapangi, pena kwa nisi ya kata zambi. Mujini leke kwa yao marakara ya zambi. Leke kala fumu. Kiku kwela kusosa, anewe ina nekukungana, ina nekuluala, na kusala babi sika mwusi, samu na tima ya yadikele luzulo ya kufuruka. Yao marapangi, mwana ni mwana kipote la chima ikiloba mwenevu na katazangi mutina ya Je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai et je les ramènerai chez elles. Je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se reposeront dans des belles prairies. Elles brouteront dans des grands pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui les ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître avec justice. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Grâce à Dieu. Méditons. À plus forte raison,
Maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Tata Tiburce,
vicaire de la cathédrale, mais aumônier paroissial des fraternités féminines de la cathédrale Saint-Pierre. Chère maman, mes chères sœurs des dames du Sacré-Cœur, vous qui êtes à l'honneur, qui cet après-midi rendez grâce à Dieu pour vos 22 ans d'existence. C'est une joie de nous retrouver ce soir, mais en nous retrouvant, le Seigneur a besoin de nous dire quelque chose. Ce qu'il a besoin de nous dire, c'est ce que veut entendre la parole de Dieu. Et c'est aussi la fête d'aujourd'hui, le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous dire ceci, en célébrant cette fête, on nous donne tout simplement la possibilité que chacun de nous fasse la visite de son cœur. Que chacun de nous essaie de voir la disposition de son cœur par rapport à l'amour de Dieu. Est-ce que mon cœur est disposé? Est-ce que mon cœur est prêt? Est-ce que mon cœur est capable d'accueillir la volonté de Dieu et de la mettre en pratique? Le Seigneur se présente à nous cet après-midi comme celui-là qui va à la recherche de la brebis perdue, égarée et blessée. Est-ce que nous sommes conscients que cette brebis égarée, blessée, c'est d'abord moi? Alors, si je vous dis que chacun de nous essaie de revisiter son cœur, c'est d'abord nous donner tous la possibilité de reconnaître que nous sommes ces brebis égarées. Alors, mais si nous sommes ces brebis égarées, il qui met ça à la télé pour que ma brebis est garée. C'est la question qu'on doit se poser. Et la réponse, ni engagement, ni prière, qui l'ombre, ni qui l'ombre. La réponse, c'est ce que moi je peux faire, n'appelez à la panne, n'appelez à l'église, pour faire venir le monde, si ma maman, pour refléter volonté à Zan. Mais pourquoi je suis devenu cette brebis égarée? Il n'a pas fait la ressource à qui par la dame. Pourquoi je suis devenu cette brebis blessée? Mais sûrement à cause du frère qui est à côté de moi. Sûrement à cause de la sœur qui est à côté de moi. Sûrement à cause de quelqu'un. Zalissa Kamou le moi bien beau. Il avait permis sa petite Mayamouno pas si. C'est sûr, nous sommes donc les responsables de cet égarement. Mais le Seigneur se présente à nous comme le bon berger, celui qui va à la recherche, à la rencontre de ses brebis perdus, de Tomaya et même à Koukou Zibana. Mais il peut être qu'on appelle la poussa à l'analyser pour que Zambi, t'as la vie que tu veux qu'il y a une loi là. Même qu'il y a des images pour que il y a des choses avec le lien pour que la bête n'aille pas une année pour voir la canne. Alors, la seule chose à faire dans notre vie, c'est tout simplement accepter de nous convertir. Alors, le Seigneur a besoin tout simplement de notre conversion. Mais convertir à votre routine, vous savez, il y a la vente de la peau de l'air parfois. Il y a des arbres qui ont été égarés. Il y a des arbres qui ont été prévus, blessés. Ça m'a aidé. Parce qu'à chaque fois que je regarde mon frère, ma soeur, t'as la routine de m'aider. Oh non! Pour accuser de mon miaou, je ne suis pas ce que tu penses. Voilà pourquoi, à un certain moment de notre vie, parfois, on nous laisse dans notre égarement. Parce que toi-même, tu ne donnes pas la possibilité de la parole. Vous savez, vous faites 22 ans d'existence. Est-ce que vous vous posez la question de la main qui m'a fait? Est-ce que vraiment c'est ce nombre-là que va voir le mobilier? Est-ce que parmi vous, il n'y a pas de prévis égarés que vous avez abandonné? Que vous ne cherchez même pas, il y aura pas sur lui qui va même pour mon amour
vivre là-bas. C'est tout ça aussi ce que le Seigneur nous parle dans l'évangile. C'est bien beau, avec mes lois, avec mes musiques, mais effectivement, il y a un monde, il n'y a pas de pas ce que ça a de la panne. Est-ce que tu n'as pas de monde, il n'y a pas de si l'autre n'est plus avec nous, peut-être qu'il y a des fautes, il y a nous. Alors, s'il y a des fautes, il y a des. Le Seigneur te demande la seule chose à faire, c'est de te rabaisser. Mais seulement aujourd'hui, il y a des passivités, il y a peut-être la mort de Zabakou, des tamas. C'est difficile aujourd'hui de rencontrer les chrétiens capables de suivre, d'accueillir l'humilité. Il y a des choses passées. Tous, nous voulons être au-dessus des hommes. Nous voulons tout simplement marcher sur les hommes. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Hein, les présentants parfois vulgairement se mettre à genoux n'est pas signe de faiblesse. Est-ce que nous reconnaissons cela? Que se mettre à genoux, c'est seulement une façon pour que Zabou l'aille. Mais si tu veux être élevé par Dieu, accepte d'abord de te rabaisser. Dieu ne peut jamais élever quelqu'un qui n'accepte pas de se rabaisser. C'est difficile dans la vie. Alors, le rabaissement que Dieu a laissé de nous, ni à la tine, ni à l'église. Alors aujourd'hui, en faisant donc le salut de Jésus, on nous demande tout simplement de revisiter nos cœurs. Est-ce que la tine a l'étoile? Qui a le bon gamin? Est-ce que la tâche a t la lettre aussi bataille? Moi, parole, il y a qui a une lutte qui l'a cassé. Sinon, nous voulons tout simplement nous mettre au-dessus des autres, faire des autres des marques, faire des autres, moi, bisacrement, bisacrement, voilà, ce que nous voulons faire des autres. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Alors, il y a nos autres amis qui est levé. Nous avons écouté la parole de Dieu. Je vous demande tout simplement de continuer à méditer cette parole. Pas seulement de méditer la parole de Dieu, non, de vivre cette parole et que notre témoignage de vie de chaque jour suscite admiration autour de nous. Que ceux qui nous regardent vivent, disent tout simplement, il y en a qui dit là-bas, il y en a qui est là-bas, il y a. Il y a ma télé là-bas, on a la télé à dire, il y a ma télé là-bas aussi, c'est ce que Dieu a besoin de nous. Le reste, il y a des éphémères, il y a des pandu-pandu, il y a des marmots-nioula. Ce que le Seigneur a besoin pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, que nous soyons capables de nous rabaisser, que nous soyons capables de disposer nos cœurs, mais disposer nos cœurs de quelle manière? De faire que moi, fier à mon jour, le l'amour, même voir la nature d'amour, que je sois capable de transmettre cet amour-là. Mais aujourd'hui, dès que nous sommes dans le corps-tomène, dans le jour, le yazan, nous sommes plus tellement égoïstes, même pour transmettre l'amour de Dieu, il y a une première qui a passé. Alors que nous avons reçu gratuitement l'amour natal de yazan. Et nous voulons. À notre tour, s'accaparer de cet amour au sein de conscience et marié avec le Nord. Le Seigneur, ce que c'est qu'après nous dit, veut que chacun de nous dispose de son cœur. Donc, il y a quelqu'un là, le plus amusant, pour comment tu as la bâtiment, il y a des taux. Il faut tout simplement que nous lui ouvrons nos cœurs. Parce que le cœur, le sacré cœur dont nous faisons aujourd'hui, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Personne ne peut rencontrer le Seigneur dans l'amour. Personne ne peut rencontrer le Seigneur la nuit pour non. C'est dans le cœur que nous pouvons rencontrer le Seigneur. Alors, demandons à Dieu cet après-midi de toucher nos cœurs, de les disposer pour que nous soyons capables d'écouter sa parole, de la mettre en pratique et de vivre notre vie de chrétien selon la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour. Alors, la fête à Saint-Peter, il y a Moubéa et dès que l'on va dans un pays. Il y a une plus à dire qu'à la carte à la Tinali. Il y a une plus à dire que mieux que lui était dans sa peau. Mais surtout, il y a aussi à la tête de tout ça, à la tête des tamas et des plombs à l'aise de Dieu Seigneur. Ma robo, il y a ta ta maïa moana, avec l'eau qui s'en trouve.
le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Thank you.
Thank you.
en faisant des signes moindres de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous bénir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Miguel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi très particulièrement de nos sœurs, membres de la fraternité, des âmes du Sacré-Cœur qui sont déjà parties de ce monde. Nous ne pouvons pas nous permettre de les oublier. Nous prions pour elles. Nous les glorifions. Toi qui as plus de joie à accueillir les brebis égarées perdues que celles qui n'ont pas besoin de se convertir. Ces brebis qui sont désarmées devant le tribunal du Pâque. Il n'y a que ta miséricorde toute-puissante et infinie qui peut nous sauver. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage sur notre enfant et sur cette fraternité qui fait de ces deux ans d'existence dans cette paroisse. 22 ans de travail, 22 ans de prière, 22 ans d'amour, 22 ans de difficultés, 22 ans de contradiction, 22 ans de peine, 22 ans de joie, 22 ans d'action de grâce. Et tous les membres, toutes les autres fraternités, présentes par solidarité, fidèles au principe de Saint Paul, se réjouir avec ceux qui sont dans la joie. Sur chacun et chacun d'entre nous dans cette église cathédrale, avec tout ce qu'il porte dans son cœur, et sur tous à qui tu as confié tes responsabilités au sein de ton parcours. Nous implorons humblement ta miséricorde, ta lumière, ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph avec nous, avec les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus, ton Fils, par ton Fils, Jésus, le Christ. Yeah.
paix et de la vie. Délivre-le tout, ma Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ce que nous, par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es avec les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, non plus toujours cette paix, et qu'on soit de l'unité parfaite, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la sainteté du Christ, nous nous ainsi de cette paix. La paix du Christ. Amen. Oui, sois Christ. C'est vous pour vous. Yeah, 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 yeah.